Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom à vous, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore une fois de plus ce matin. Et ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu ensemble avec le 24 vieillard, les quatre êtres vivants. Vous savez, quand je dis les quatre êtres vivants, je rigole. Pourquoi? Parce que je vis dans mon t-shirt et il y a des yeux partout. Il y a des yeux partout. La Bible nous dit, les quatre êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, ils sont remplis de yeux à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Et la Bible nous dit, ils ne cessent pas de dire saint, saint, saint. Et l'Éternel, l'univers et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Voilà, donc nous avons ce privilège d'être dans la présence de Dieu. Voilà, donc nous avons ce grand privilège de nous réveiller ce matin et nous voulons être reconnaissants envers celui qui nous a donné la vie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma Yaya. Que Dieu te bénisse, ma famille, que Dieu te bénisse. Je suis content, très content de te retrouver encore ce matin. Hier, on a parlé au téléphone et voilà qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fait la grâce de nous attendre. C'est un privilège, c'est un privilège. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers Dieu. Alléluia. La vie est tellement précieuse. Nous devions apprendre à apprécier la vie. Nous devions vraiment apprendre à apprécier la vie. Nous devons être reconnaissants envers celui qui nous maintient en vie. Alléluia. Si nous sommes en vie, c'est pas parce que nous sommes plus forts. C'est pas parce que nous sommes plus meilleurs. C'est pas parce que nous sommes plus intelligents. Même pas parce que nous sommes dans des pays où il y a un avancement médical. Parce que même ici, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des cas où tu attends que le médecin n'ait pas su faire quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui meurent du cancer en Europe et comme des gens qui meurent du cancer en Afrique. Vous savez, il y a des certaines maladies où la médecine peut apporter de l'aide. D'accord? Mais il y a d'autres maladies. Même si tu vas ici en Europe, le médecin te dit qu'ici, nous ne pouvons rien faire. D'accord, c'est pas que la personne avait négligé le traitement au début. Non, 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 non. La maladie, donc la personne malade a été prise en charge depuis le début de sa maladie, mais ils n'ont pas su la sauver, ils n'ont pas su le sauver. C'est pour dire que l'homme est limité, mais notre Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Donc nous bénissons Dieu pour la vie que nous avions. Nous sommes reconnaissants d'être encore en vie ce matin. C'est pourquoi nous disons à Dieu, c'est toi qui mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu es Dieu et d'éternité en éternité. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Les idoles de nations, comme l'a dit David, sont de l'or et de l'argent. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Alléluia. Ils ne peuvent pas être comparés à notre Dieu. Je te dis à toi, shalom, ma soeur, shalom, ma maman, shalom, mon frère. Nous allons partager la vidéo et nous allons partager notre pensée de cette dévotion. Voilà. Donc, nous avons dit aujourd'hui, nous voulons penser un peu ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions combattre la voie de l'accusé. Donc la voie qui nous acquise, je ne sais pas comment le dire, il y a une voie qui nous empêche de rentrer dans notre bonheur. Il y a une voie, la voie des accusateurs ou encore la voie de l'ennemi. Hein? Et cette voie, si on ne l'étouffe pas, bien-aimé dans le Seigneur, cette voie va nous empêcher d'atteindre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons combattre cette voie. En fait, pendant que j'étais en train de méditer cette dévotion, voilà, je me demandais sans cesse pourquoi Jésus avait défendu la femme qui a été surprise en flagrance de lui d'adultère. La Bible nous dit qu'elle a été surprise dans l'acte. D'accord? Et donc, c'était un péché qui était grave, un péché qui devait avoir de graves conséquences. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme, selon la loi que Dieu avait prescrite à travers de son serviteur Moïse, elle méritait la lapidation. Elle devait être lapidée. Mais la question que je me suis posée, pourquoi Jésus n'a pas permis que cette femme soit morte? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est comme s'il n'a pas vu la gravité du péché de la même manière que la loi. Alléluia. Il a demandé à ce que celui qui n'avait pas péché puisse jeter la première pierre. Celui qui n'avait jamais péché dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et étonnamment, bien-aimé dans le Seigneur, tous se sont échappés.
Les gens qui avaient amené cette femme auprès de Jésus, tous, ils se sont échappés, bien aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il ne restât plus personne pour la juger. Il n'y avait plus personne pour la juger. Il les avait prises et il avait amené cette femme auprès de Jésus pour être lapidée. Alléluia. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 7 à 11. Jean, chapitre 8, le verset 7 à 11. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois êtes-vous tombé? Alléluia. Pourquoi tu n'arrives plus à prier comme tu priais avant? Pourquoi tu donnes l'attention à cette voix qui te condamne tout le temps? Cette voix qui te dit que Dieu ne peut pas se servir d'une femme comme toi parce que tu es une femme adultère. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devions pas écouter l'accusateur de nos frères. Vous savez ce qu'est le nom? La Bible appelle le diable dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. La Bible nous dit, il s'appelle l'accusateur de nos frères. Je vis des croyants, bien-aimés dans le Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés. Alléluia. Mais que le diable n'arrête pas de leur rappeler ses péchés. Dieu les a déjà pardonnés. Ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu les a pardonnés. Mais le diable continue encore à les accuser. Toi, tu ne peux pas te marier parce que tu sais que c'est que ton papa avait dit quand tu étais sorti avec sa femme. D'accord? Et donc voilà, donc tu es une personne maudite, bien-aimée dans le Seigneur. Écoute-moi, la Bible nous dit en Jean chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés à Dieu, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner. » Alléluia. « Et pour nous purifier de tout péché, de toute injustice. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donc celui qui vient te rappeler tes fautes, celui qui vient te rappeler tes erreurs, les erreurs pour lesquelles tu as déjà demandé pardon, il s'appelle qui? Il s'appelle l'accusateur de nos frères. Alléluia. Il veut nous maintenir dans la culpabilité. Il veut nous empêcher de monter dans la prière parce qu'il sait que quand nous montons, nous sommes en train de diverser son royaume. Alléluia. Bien-aimé, comment pouvons-nous contrer cette arme que j'appelle l'accusation, quand le diable vient, il nous accuse. Je vous avais dit que parfois il utilise la tromperie, parfois il utilise la tentation, mais souvent il utilise aussi les accusations, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez faire très attention avec votre passé. Alléluia. Vous devez comprendre la réalité et la vérité. Votre passé fait partie de votre réalité, mais la vérité c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Je croyais que tu allais écrire « Amen ». Ah non, je croyais que tu allais écrire un « Amen » ma sœur. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est là pour effacer nos iniquités. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu sa force, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le psaume chapitre 103, le verset 12, la Bible nous dit « Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. » Dieu éloigne de nous nos transgressions, il éloigne de nous nos fautes. Alléluia. Quand lui demandons pardon, bien aimé dans le Seigneur, Dieu oublie notre péché. Ésaïe chapitre 43, le verset 25, il oublie le péché. Alléluia. Il oublie notre péché. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Ne permettez pas à votre péché de détruire votre avenir. Alléluia. Jésus a dit à la femme, aucun d'entre eux n'est t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est cet homme de Dieu qui ne tombe jamais? Qui est ce serviteur de Dieu qui n'est jamais tombé? Qui est cet homme dans la Bible qui n'a jamais douté de la promesse de Dieu, même celui que nous avions appelé le père de notre foi. Un moment ou l'autre dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, il a douté. Alléluia. Qui n'a jamais failli, bien-aimé dans le Seigneur, même Job, celui que Dieu disait à l'ennemi, tu as vu Job, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que sa foi a failli quelque part. Nous avons vu des questionnements. Comment est-ce qu'il s'est posé des questions? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que nous puissions nous remettre en question. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur.
Le juste tombera. La Bible nous dit, il va tomber combien? 7 fois. Il se relève. Mais le méchant trébuche dans un moment difficile. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le méchant trébuche, il tombe, il reste. Mais nous, le juste, quand nous tombons, Dieu attend de nous que nous puissions nous relever. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait combien de temps que tu es tombé? Pourquoi tu ne te relèves pas? Dieu, il parle à cette église que j'aime beaucoup, l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est pas aujourd'hui, mais c'est simplement parce que tu as perdu cet amour que tu avais envers moi. Bien-aimé, pourquoi tu as perdu ton premier amour? Pourquoi tu ne fais plus confiance aux promesses de Dieu? Pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il t'a promis? Pourquoi ton âge te ment-il, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Proverbe chapitre 24, le verset 16, la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois et se relève. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à toi qui es tombé, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi, ne reste pas en bas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas le rire de tes relations précédentes te priver de la bénédiction de Dieu qui est juste devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi tu dis que toi-même tu ne mérites pas cette relation? Alléluia. Toi, tu crois que quelqu'un mérite d'être béni. Qui est celui qui mérite d'être béni? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de notre foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres pour que personne ne se glorifie. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que moi je suis sauvé. Alléluia. Par le moyen de ma foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse se glorifier. Alléluia. Ne laissez pas, bien-aimé dans le Seigneur, tes erreurs, les erreurs de ton passé, détruire le futur glorieux que l'Éternel Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Il connaît le projet, il a des projets pour ta vie. N'écoute pas la voix de l'accusateur. La Bible l'appelle l'accusateur de frères. Il viendra t'accuser pour t'empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu. Il va te rappeler, il va te dire, d'accord, cette semaine, tu n'es pas tombé à la masturbation, ce n'est pas grave. Tu verras, demain, tu vas encore tomber. Ok. Tu n'as pas encore regardé la pornographie. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. Ok, ça va. Mais la semaine prochaine, tu vas regarder. Ça, c'est la voix de l'accusateur. Il veut te faire savoir que tu n'as pas le pouvoir contre le péché et que le péché domine sur toi. Non, ma sœur. Non, mon frère. Le péché ne domine pas contre nous. Nous ne sommes pas là en train d'être dominés par le péché. Non, ma sœur. Le péché ne domine pas sur nous. Alléluia. Il y a le pardon avec Jésus, indépendamment de ce qui a été notre passé. Ne laisse pas vivre dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas dans ton passé, sors de ton passé. Vis le présent, ma sœur. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle Dieu avait permis que tu puisses chuter. Il y a une raison pour laquelle Dieu avait permis que tu sois tombé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais relève-toi. Je parle à quelqu'un, je dis relève-toi. Alléluia. Tu ne dois pas rester là en bas, tu dois te relever. David a dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car je sais que l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Le fils de Jacob sont venus voir Jacob pour lui dire, Jacob, tu sais que ton fils Joseph vit encore. Jacob a dit, non, ce n'est pas vrai. Je peux tout croire, mais je ne peux pas croire que Joseph vit encore. Ses fils l'ont dit, papa, nous l'avons vu. Alléluia. Nous l'avons vu. Regarde. Nous l'avons vu. Et tu sais quoi encore? Celui qui est le gouverneur de l'Égypte. Celui qui est en train de diriger toute l'Égypte. Jacob a dit, non, je ne peux pas croire. Pourquoi Jacob ne pouvait pas croire à cette bonne nouvelle que ses fils lui avaient apportée? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans les oreilles de Jacob, il était habitué à attendre des mauvaises nouvelles. Dans toute sa vie, quand tu regardes la vie de Jacob, Jacob était habitué à attendre de mauvaises nouvelles. Sa propre maman l'a dit quoi? Que ton père ne t'aime pas. Ton père, il aime beaucoup plus Ésaü que toi. Bien-aimé, comment une mère peut séparer ses propres enfants?
Comment une mère se sent-elle à l'aise lorsque ses enfants sont divisés? Tu ne fais rien pour le réconcilier. Tu ne fais rien pour le mettre ensemble. Quand tes enfants ne s'attendent pas, c'est comme si toi tu tires un plaisir. Comme ça, tu peux aller chez lui qui est à gauche et tu peux aller encore chez celle qui est à droite. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas une poule pour diviser tes enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu attend de toi que tu sois une mère qui réunit ses enfants. Une mère qui fait tout, que ses enfants soient ensemble. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Sa maman lui dit que ton frère ne t'aime pas. Le dit pire encore de cela, je le vis comploter avec ton frère à propos de l'héritage. Donc tu es exclu de cet héritage. Tu n'auras rien si tu ne fais pas attention. Je veux préparer pour toi à manger et tu donneras à ton père pour qu'il te lâche la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions ce genre de maman. Ma sœur, si c'est comme ça que tu te comportes, change, change. Tu es un enfant de Dieu et tes enfants, tu as le devoir de le garder unis. Alléluia. Comment nous pouvons avoir ce genre de femme qui dit à son enfant que ton mari ne t'aime pas? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être il n'est pas un bon mari pour toi, mais permettez-lui au moins d'être un bon père pour ses enfants. Alléluia. C'est pas parce que votre mariage n'a pas réussi qu'il n'est plus le père de tes enfants. Pourquoi tu ne le permets pas de voir ses enfants? Pourquoi tu ne le permets pas, ma sœur? Pourquoi tu ne le permets pas? Il ne peut-être pas, il n'a pas été un bon mari pour toi, mais laisse-lui au moins être un bon père pour tes enfants. Ces enfants-là, ils ont besoin de leur père pour leur équilibre psychologique, moral, spirituel. Ils ont besoin d'un père. L'amour d'une mère ne remplace pas la place d'un père, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu écartes? Pourquoi tu éloignes cette femme de tes enfants? Pourquoi elle est leur maman? Pourquoi tu parles du mal de cette femme? C'est ta femme. Elle, même si maintenant elle n'est plus ta femme, mais dans le passé, elle était ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Pourquoi la méchanceté est dans nos cœurs? Alléluia. Une maman qui va dire à son enfant, tu dois faire très attention parce que je vis ton père avec ton frère, ils sont en train de comploter. Et voilà, donc si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas d'héritage. C'est ça que nous appelons la sorcellerie. Tu ne veux pas que tes enfants s'attendent. Tu t'arranges pour mettre toujours des zizanies. Ah, ta sœur avait dû. Ah, ta sœur avait dû. Ah, ton frère avait dû. Et tes enfants, ils sont là, ils sont divisés. D'accord? Ah, c'est que tu as eu avec le premier mariage et c'est que tu as eu avec le deuxième mariage. Tu fais tout pour qu'ils ne s'attendent pas. Celle-là, comme tu l'as eu avec un blanc, elle est métisse, et les autres, tu les as eu avec un noir, et donc tu ne veux pas que les deux soient ensemble. Ah, tu es jalouse d'elle parce qu'elle est plus belle que toi. C'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté, ma sœur? C'est quoi la beauté? Fais en sorte que les enfants que Dieu t'a donnés soient un et indivisibles. J'aime le comportement de papa de Kassai ou encore de Balouba chez nous. D'accord? Ce genre de messieurs, ils pouvaient avoir 10 enfants avec de 5 mamans, mais à la fin de sa vie, elle fait tout pour que ses enfants soient ensemble. Et ce genre de couple, bien aimé dans le Seigneur, et nous avons vu Jacob, un homme qui était déséquilibré. Un homme qui a grandi dans un foyer où il n'y avait pas d'amour, où il y avait des dysfonctionnements. Et il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur. N'eût été la grâce de Dieu, nous n'allons pas parler de Jacob aujourd'hui dans la Bible. Un homme qui a eu combien? 4 femmes. 4 femmes, bien aimé dans le Seigneur. Avoir déjà une femme, c'est cool, non? C'est très bien, d'accord? Ok, mais lui, il en a eu 4, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà, je voulais dire, quand ses enfants sont venus, pour le dire pour la première fois, ils sont venus avec le premier signe, c'était la tunique de Joseph. Et ils l'ont dit à leur père, ils ont dit, d'accord papa, un bête féroce a dévoré ton fils. Jacob a crié. Il n'a pas fait d'hésitation. Directement, il a crié. D'accord? Mais quand ils sont revenus pour la deuxième fois avec un autre signe, pour le dire que, papa, ton fils vit encore, Jacob a refusé de croire. Alléluia. Et la Bible nous dit, son cœur était devenu glacier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il a refusé de croire, il ne pouvait pas croire. Donc nous les enfants de Dieu, nous sommes prêts à croire à des mauvaises nouvelles.
D'accord, quand le médecin te dit que tu vas mourir parce que je vis le cancer et au terme est terminal, là tu crois, tu dis, ah oui, il a raison et il te montre déjà les diagnostics. Hein, et il te montre ce que la machine le fait voir. Et tu vois ici, c'est ton cœur et ici, tu vois, c'est le cancer. Et alors, le cancer est en train de se déplacer. Alors là, donc, il faut dire que donc moi, je te donne quasiment 4 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences déjà à préparer ton enterrement. Mais quand tu écoutes un homme de Dieu qui te dit que Dieu te dit que cette maladie-là n'est pas pour ta mort, mais c'est pour ta gloire, tu as du mal à écouter l'apôtre pour la vie. Tu as du mal à l'attendre, tu as du mal, tu dis, mais qu'est-ce que cet homme me dit, hein? C'est parce que le médecin m'a montré. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que je ne suis pas un médecin, je suis un homme de Dieu, je suis un don pour l'Église, je suis ce don que la Bible a dit, et étant monté au ciel, il a amené le captif et il a fait don à l'Église. Je suis un don pour l'Église. Je me considère un don pour l'Église, pour la délivrance de son peuple, pour la guérison des malades. Je suis un don, je suis un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple. Alléluia. Je suis ce canal, bienvenue dans le Seigneur. Je ne te dis pas des choses que la médecine me dit. Je ne te parle pas des choses que je vois. Non, je te parle de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Tu es tellement habitué à écouter ton père qui te disait, je t'aime pas, je t'aime pas. Et quand Dieu te dit, il t'aime, tu as du mal à croire à l'amour de Dieu. Pourquoi, ma sœur, crois à l'amour de Dieu? Alléluia. Celui qui était censé te protéger t'a violé et tu crois que Dieu va te violer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, je parlais avec un couple qui était venu chez moi à l'église et je dis, tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils, ma sœur. Tous les hommes de Dieu, mon frère, tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Moi, je ne suis pas comme les autres. Ça, moi, je le dis, hein. Jésus a témoigné de lui. D'accord? Je témoigne de moi. Je suis un homme fidèle à ma femme. C'est ça. Je n'ai pas besoin d'une autre femme, non. Bien-aimé dans le Seigneur, je respecte la femme d'autrui, je respecte les enfants d'autrui. Ce que Dieu m'a donné comme enfant, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je vais leur enseigner la parole de Dieu pour les conduire dans le mariage. Les amener vierges dans le mariage, c'est un privilège pour moi, c'est une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils ont eu comme passé, quand ils sont venus dans le Seigneur, elles sont devenues de nouvelles créatures. Elles vont se comporter maintenant comme si elles n'ont pas connu du passé. N'écoute pas la voix de l'accusé, la voix accusante. Je ne sais pas si c'est un bon français. Alléluia. Ton petit ami, tu lui avais dit ses secrets et il en a étalé sur le toile, donc sur page, sur Instagram. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus confiance aux gens. Ton ex-mari t'a exposé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce genre de voix, même après, ça continue toujours à parler dans tes oreilles. Tu n'es rien, tu ne feras rien. Tu crois que toi aussi, tu feras quelque chose, tu finiras comme ta mère. Comment un père peut dire de telles paroles à sa fille? Tu finiras comme ta mère. Alléluia. Elle ne finira pas comme sa mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là pour annuler toutes ces mauvaises paroles que vos papas biologiques ont déclarées sur vos vies. Nous, vos pères spirituels, nous les annulons et nous déposons sur vos vies la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force. Alléluia. Un esprit de confiance. Alléluia. Dieu le fera, il ne le fera pas parce que tu es belle. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te marieras pas parce que tu es belle, non pas parce que tu es jeune. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit par mon esprit. Quelqu'un dit avec moi par mon esprit. Alléluia. Zacharie 4 et 6, la Bible nous dit, ça ne sera pas. Pas autre chose, pas par ta force, pas par ta beauté. Oh, tu te regardes, tu dis, mais oui, quand j'étais jeune, j'étais plus belle. Maintenant, il n'y a plus cet éclat. Celui qui viendra, il va m'épouser. Pourquoi? Je ne sais plus lui donner des enfants. Et il va aller chercher quelqu'un, un jeune qui va lui donner des enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas à cause de ta beauté, ça ne sera pas à cause de ta nationalité, ça ne sera pas à cause de ta taille. Je dis bien, ça ne sera pas à cause de toutes ces choses, ça sera à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par mon esprit, par l'esprit de Dieu.
Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons chasser tous ces mauvais esprits qui t'empêchent de devenir ou d'être celui que tu es appelé à être, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ils ont dit des choses à Jacob, donc il était habitué à attendre de mauvaises nouvelles. Et ce jour-là, quand ses enfants sont venus, et pourtant ils ont apporté un autre preuve. Je parlais des deuxièmes signes. Le premier signe, c'était la tunique ensanglantée. Mais le deuxième signe, bien aimé le Seigneur, c'était des chariots remplis de provisions, remplis de vêtements, remplis de vivres. Le chariot pour le prendre et l'amener dans sa gloire. On dit, mieux vaut la fin de cette chose que son commencement. Dieu voulait que cet homme termine sa vie dans la beauté, dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi il envoya ses fils, pendant que lui était inquiet, en train d'attendre ses enfants. Il dit, mais ses enfants, depuis qu'ils étaient partis en Égypte, je ne sais pas s'ils reviendront. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on les a arrêtés? Est-ce qu'ils ont su libérer Siméon? Il était inquiet pour ses fils. Mais pendant que Jacob s'inquiétait pour ses enfants, oh, laisse-moi dire, bien-aimé dans le Seigneur, le chariot était déjà en marche. Pendant que lui, il était en train de s'inquiéter, pendant que lui, il savait pas, est-ce que mes enfants vont revenir? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà mis le chariot en marche. Bien-aimé dans le Seigneur, le chariot était déjà en marche. Pharaon avait déjà rempli le chariot et le chariot était déjà en marche. Je voudrais dire à quelqu'un que pendant que tu t'inquiètes, ta bénédiction est déjà en marche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit de te dire que tes chariots sont en marche. Dieu me dit de te dire que ton mariage est là déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute plus la voix qui t'accuse. Alléluia. Le chariot est en marche, bien-aimé dans le Seigneur. Ta bénédiction est en marche. Pourquoi tu crois aux mauvaises nouvelles, mais tu as du mal à croire aux bonnes nouvelles? Alléluia. Il dit dans le Jérémie chapitre 21, le verset 29, le verset 11, « Je connais le projet que je formais pour toi. » La Bible nous dit « projet de bonheur et non pas de malheur pour te donner de l'espérance et de l'avenir. » C'est ça la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour t'amener dans sa gloire. Jacob, tu ne mourras pas à Canaan. Tu mourras en Égypte. Tu verras Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il lui, il était en train de s'inquiéter pour ses enfants, c'est qu'il ne savait pas que Dieu avait déjà relâché le chariot à sa direction. Le dissipé, il allait voir le chariot, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand Jacob a vu le chariot, il a dit non, je ne crois pas que mon fils soit mort. Il a dit assez, assez. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 45, le verset 28. Jacob a dit assez. Maintenant, je crois. Alléluia. Si j'avais pas crié à vos paroles, mais le preuve sont là que mon fils est gouverneur. Maintenant, je crois. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire c'est assez? Est-ce que tu peux dire au diable assez? Maintenant, je crois à ma bénédiction. Alléluia. Ah non, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Ah non, je parle à quelqu'un. Quelqu'un me dit, c'est assez, assez, assez. Est-ce que tu peux dire avec moi, assez? Je crois maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai donné beaucoup de paroles pour que tu puisses croire. Pourquoi tu ne crois pas toujours? Est-ce que tu peux dire avec moi, assez? Alléluia. Le porte qui était fermé sont en train de s'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la porte que l'ennemi a fermée dans ta vie, cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'écoute plus le diable. S'il vient te parler, dis-lui que non, je ne veux plus t'écouter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a, quelqu'un qui m'attend ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Enlève tes vêtements de deuil. Alléluia. Cet homme est mort, cette relation n'a pas marché. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la relation qui n'a pas marché. C'est pas toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la relation qui est morte. Ce n'est pas toi. Toi, tu es en vie. Enlève des vêtements de deuil. Alléluia. Les gens ne peuvent pas venir parce qu'ils te voient déjà, tu es en deuil. Quand ils viennent, ils te voient triste. Alors, ils réparent, bien-aimé dans le Seigneur. Enlève le vêtement de deuil. Enlève le vêtement. Alléluia.
Il y a des gens qui ont revêtu le vêtement de deuil spirituellement, peut-être pas charnellement. Tu dois enlever. Tu n'es pas marié, mais le diable t'a revêtu de vêtements de mariage. Quand les hommes te voient spirituellement, c'est comme s'ils voyaient une femme mariée. Aujourd'hui, hein, à travers de cette prière que nous sommes en train de faire, toute robe du mariage satanique qui t'avait été revêtue seront ôtées au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Non, 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 non. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Alléluia. Je dis la robe que l'ennemi t'a revêtue pour que tu puisses apparaître marié. Quand les hommes viennent te voir, quand les hommes viennent demander ta main, cette robe sera enlevée maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le nombre de fois que tu es tombé, je t'ai dit, ma sœur, la parole de Dieu nous dit, cette fois le juste tombera et se relève. Et Proverbe chapitre 24, le verset 16, tu étais tombé, relève-toi, ma sœur, lève-toi. Toi, brille. Alléluia. Mets un peu du maquillage. Je dis, même si hier tu avais tendance à mettre du maquillage et personne ne t'appelait, bien-aimé dans le Seigneur, fais-le encore aujourd'hui. Ah non, quelqu'un ne m'attend pas. Quelqu'un ne m'attend pas. Je vis mon fils qui est venu me voir. Il m'a dit, papa, tu sais qu'on avait du mal pour concevoir. Et ce jour-là, quand tu prêchais, tu as dit, aujourd'hui, il faut aller vous accoupler. J'attends et je vois un bébé miracle. Oh, ce jour-là, nous avons fait l'amour et il y a un bébé. Oh, j'étais content, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Si c'est vrai que je suis un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention à ce que je déclare. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont venus en couple, ils sont dit, papa, ce jour-là, quand tu as dit, allez-y, nous sommes allés, nous avons fait l'amour, et il y a un bébé. Oh, je dis, laisse-moi prier pour cet enfant. Laisse-moi prier pour cet enfant. Alléluia. Qui est venu pas comme les autres enfants, qui est venu avec la grâce de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la prière, avec la parole de l'homme de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas encore fini aussi longtemps que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Si tu étais tombé, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour cette bonne journée. Nous voulons lui dire merci pour la grâce qu'il nous fait. Nous sommes très contents, nous sommes très bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Élève ta voix là où tu es, ma sœur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci. J'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu ce matin. J'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-lui merci, mon frère. Dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas indifférent de ce que tu vis maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas indifférent, bien-aimé. Il connaît ta souffrance. Il connaît te père. Alléluia. Il dit à Moïse, dit à mon peuple, je vis sa souffrance. J'ai entendu le cri que lui fait pousser ses oppresseurs, raison pour laquelle je suis descendu pour le délivrer. Je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas indifférent de ta situation, raison pour laquelle aujourd'hui il est venu pour te parler. Élève ta voix, commence à glorifier le nom de Dieu. Glorifie le nom de Dieu. Glorifie le nom de Dieu. Le Dieu qui ne t'a pas laissé tomber dans le chêne de l'ennemi. La Bible nous dit que cette femme, elle est une de fille d'Abraham, que le diable maintenait captif dans ses chaînes. Que le chaîne de l'ennemi soit brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les chaînes que le diable aurait utilisées pour te maintenir en captivité, que ces chaînes se brisent maintenant. Que le chaîne se brise maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Dieu ne va pas laisser l'ennemi t'accabler toute ta vie. Aujourd'hui, que le chaîne, quelle que soit la chaîne que l'ennemi utilise pour lier ta vie, que cette chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui s'élève et qui est en train de briser le chaîne. Brise le chaîne. Commence à briser le chaîne satanique.
Le chaîne qui a fermé ta destinée, commence à le briser maintenant. Le chaîne qui a enchaîné ton mariage, commence à le briser maintenant. Le chaîne qui a enchaîné ta prospérité, commence à le briser maintenant. Quel que soit le chaîne que le diable aurait utilisé pour enchaîner ta vie, brise cette chaîne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque maintenant le nom du Seigneur. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Invoque-le pour ta délivrance. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, je t'invoque, j'ai besoin de toi. Allez, parle à Dieu, bien maintenant le Seigneur, il est là, il t'écoute. J'attends quelqu'un qui parle à Dieu, quelqu'un qui dit à Dieu, ayez pitié de moi. Ah non, j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, ayez pitié de moi. Marc chapitre 10, à la veille de Bartimée, la Bible nous dit, il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ayez pitié de moi? J'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi maintenant. Ayez compassion de moi maintenant. Tourne vers moi le regard favorable. Et quand ta droite puissante vers moi, touche-moi ce matin, délivre-moi, parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui d'avoir pitié de toi, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, ayez pitié de moi. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, délivre-moi. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu ce matin, parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, fils de David, ayez pitié de moi, ayez compassion de moi. Demande-lui d'avoir compassion de toi. La Bible déclare comme un père a compassion de ses enfants, éternel a compassion de ceux qui le craignent. Demande à Dieu, dis-lui Seigneur, tourne vers moi ton regard favorable, étends ta droite sur moi, étends ta droite sur moi. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Non, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Père, délivre-moi, demande à Dieu de te délivrer maintenant. Demande-lui de te délivrer, dis à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dis-lui Seigneur, délivre-moi, 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 demande à Dieu de te délivrer, dis-lui Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi et délivre-moi, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis venu ce matin recevoir ma guérison au nom de Jésus-Christ, je reçois ma guérison au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je reçois ma guérison. J'attends quelqu'un qui dit, je reçois ma guérison, je vais recevoir ma guérison, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimé, élève ta voix, parle à Dieu maintenant. Alors que tu parles à Dieu, s'il y a un péché, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'empêche d'être touché par Dieu, confesse ce péché, ne laisse pas ce péché te priver de la bénédiction de Dieu ce matin. J'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. La parole qui n'est pas encore sur ma langue, toi tu la connais entièrement. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Je viens t'avouer mes transgressions. Je viens t'avouer mes fautes. Pardonne-moi et aie pitié de moi. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, pardonne-moi et aie pitié de moi. Non, tu parles bien ma soeur, tu parles bien. Demande-lui de te pardonner et d'avoir pitié de toi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un qui avoue ses fautes à Dieu. Ne le cache pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les désavoue et qui les délaisse obtient la miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je refuse d'écouter la voix de mon accusateur. La voix d'accusation, la voix de l'ennemi, je refuse de les écouter au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Demande à Dieu de te délivrer maintenant de tout le mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi, répands-toi. Là où tu étais tombé, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi, demande pardon à Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Demande à Dieu en mentionnant le nom de ce péché. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, je suis tombé dans l'iniquité, je suis tombé dans le mauvaise pensée. Alléluia. Je suis tombé dans la pornographie, je suis tombé dans la lecture occulte. Voilà, je fais ce qui est mal à tes yeux. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mentionne ses péchés devant Dieu et implore sa miséricorde. Demande à Dieu de te pardonner ce matin. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia.
Alléluia. Demande-lui, bien-aimé dans le Seigneur, demande-lui, pardon, dis-lui, Seigneur, ayez pitié de moi à cause du sacrifice que tu as accompli à la croix. Pardonne-moi, Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Père éternel, ayez pitié de moi. Que ton sang, le sang de ton fils qui a été versé à la croix, me lave de tout péché. Bien-aimé dans le Seigneur, demande le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Nous voulons invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Que ta vie soit purifiée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse laver ta vie, ton âme, ton corps, ton cœur, de tous les dépôts maléfiques. Alléluia. Nous invoquons la purification par le sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, lave-moi par ton sang. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, purifie-moi par ton sang. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Demande à Dieu de te laver maintenant par son sang. Que le sang de Jésus-Christ soit versé sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ te délivre maintenant de toutes les chaînes que l'ennemi a utilisées pour lier ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang et je serai plus blanc que la linge. Je serai plus blanc que la laine. Je serai plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus. Allez, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, oh, couvre ma vie par ton sang. Couvre ma vie par ton sang. Nous voulons demander la couverture. Que ta maison soit couverte par le sang de Jésus. Que mon ministère soit couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Que ton mariage, que tes déplacements, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te précède par son sang, que le sang de Jésus-Christ te précède dans tes rendez-vous, que le sang de Jésus-Christ te précède, que le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, couvre-moi par ton sang, que ton sang me couvre, que ton sang me rend invisible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Que ta journée soit couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque ta voix. Élève ta voix et commence à invoquer le sang de Jésus. J'attends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. J'attends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Oh, la Bible nous dit que cette femme était courbée. Cette femme n'avait pas le pouvoir ou la capacité de se relever. Mais lorsqu'elle fut touchée par Jésus, la Bible nous dit que ce qui a été courbé est devenu redressé. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, touche-moi ce matin. Ah non, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, touche-moi maintenant. Et que ma vie ne reste plus la même au nom de Jésus. Que tout ce qui était courbé dans ma vie, sois redressé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était courbé dans ma famille soit redressé maintenant. Seigneur, redresse mes affaires. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, redresse mes études. Redresse ce que le diable a courbé dans ma vie. Redresse mon ministère. Redresse la vie de mon mari. Redresse la vie de mon époux, la vie de mon épouse. Bien-aimé, non, le Seigneur demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, touche. Touche mon mari, touche ma femme, touche mes enfants, redresse au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Demande à Dieu de redresser ce que le diable avait courbé dans ta vie. J'entends quelqu'un qui dit à Satan, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir. Je te retire tout le pouvoir qui t'avait été donné à ma famille. Je te retire. Redonne-moi ce pouvoir au nom puissant de Jésus. Démons de ma famille, esprit ancestral, vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma vie. Vous avez été vaincu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans de cela. Au nom de celui qui vous a vaincu, je vous retire tout le droit juridique, tout le droit satanique, tout le droit qui vous permettait d'opérer dans ma vie, je vous le retire maintenant. Bien-aimés, commence à les retirer le droit. Le droit que le sorcier, les agents du diable ont donné au diable, retire-le maintenant ce droit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Marie spirituelle, tu n'as aucun droit sur ma vie. Je te retire le droit qui t'avait été donné par ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme spirituelle, je te retire le droit. Alléluia. Ma vie a été donnée à Jésus. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus, et Jésus m'a délivré du royaume des ténèbres. Jésus m'a délivré du royaume des ténèbres. Jésus m'a délivré du royaume des ténèbres. Libère ma vie ce matin. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit Marie spirituelle. Libère ma vie ce matin. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit femme spirituelle. Libère ma vie ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Que le chêne de la maladie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Commence à briser le chêne de la maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à briser le chêne de la maladie. Commence à briser le chêne de l'infirmité. Commence à briser toutes les chaînes. La Bible nous dit, c'était une fille d'Abraham, mais aussi longtemps que sa destinée était liée dans le chêne, elle ne pouvait qu'être courbée. Que toutes les chaînes que le diable utilise pour détruire ta vie, pour courber ta vie, soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui brise le chêne du célibat. J'entends quelqu'un qui dit, toi, chêne du célibat, sois brisé dans ma vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chaîne du chômage soit brisée ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chaîne de la pauvreté, qui maintient tout le membre de ta famille dans cette pauvreté endurcie, soit brisée maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Allez, commence à briser le chêne, commence à briser le chêne. Toutes les chaînes de l'ennemi dans ma vie soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour la délivrance. Tu me délivres de chaînes et de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu redresses ce qui était courbé dans ma vie. Tu ouvres les yeux des aveugles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ah, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, merci. Oh, dis-lui merci. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis-lui merci parce qu'il t'a délivré ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu viens d'accomplir maintenant. Non, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu viens d'accomplir maintenant dans ma vie. Non, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, merci pour tout ce que tu viens d'accomplir maintenant dans ma vie. Est-ce que tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il vient d'accomplir maintenant dans ta vie? Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour la journée d'aujourd'hui. La Bible nous dit dans Lamentations chapitre 3, le verset 23 et 24, « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés dans ta vie. Nous voulons déclarer que cette journée est pour toi une très bonne journée. Et il ne va t'arriver que de bonnes choses qui ont été préparées par la main puissante de ton Créateur. Je vais attendre quelqu'un qui refuse et qui dit qu'aucun malheur ne m'arrivera. Quel que soit le malheur que le diable a planifié, ce malheur ne va pas t'arriver. Quel que soit ce qu'ils ont décrété en enfer, ce qu'ils ont décrété dans l'eau, ce qu'ils ont déclaré dans le soirée, dans le savane, rien ne peut t'arriver au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit à Satan, Satan, je ne suis pas candidat à l'échec. Je ne suis pas candidat à la mort subite. Je donne l'ordre à l'esprit de mort de libérer ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'agent qui a été envoyé, qui était délégué pour me conduire à la mort prématurée, qu'il soit arrêté ce matin. J'arrête tout celui que le diable envoie pour me détruire, pour détruire ma vie. Qu'il soit arrêté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que moi, pour la vie, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai la gloire de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, libère ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, libère ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, j'entends quelqu'un qui dit avec moi que le trône de la sorcellerie de ma famille soit démonté par le feu du Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je localise le trône de la sorcellerie de ma famille et je le démonte par le feu, je le démolis par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la forteresse que le sorcier de ma famille utilise pour se cacher, que cette forteresse soit détruite maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le lieu caché des sorciers de ma famille soit démoli ce matin, au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où cette forteresse se trouve, je localise et je le démolis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à réfugier, à détruire le refuge des sorciers de ta famille. Commence à démanteler le refuge des agents du diable, là où le sorcier se cache, là où les occultistes de ta famille se cachent, là où ils se protègent. Commence à démanteler leur réseau, commence à démanteler leur refuge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de démanteler, nous sommes en train de détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant, au glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute sorcellerie obstinée soit exposé maintenant, soit disgracié maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de détruire la puissance de la sorcellerie de ta famille. Nous sommes en train de détruire la puissance de la sorcellerie de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'habitation de sorcier que le diable utilise dans ta famille, soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur table devienne leur propre piège, que leur table devienne leur propre piège, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur système de transport soit mis en pièces. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je localise les systèmes de transport que le sorcier de ma famille utilise et je le détruis par le feu de Dieu. Que leur avion soit en morceaux maintenant. Que leur avion soit en pièces maintenant. Que le moyen de transport qu'ils utilisent pour quitter l'Afrique et venir m'ensorceler ici en Europe, je le taille en pièces. Je le démolis maintenant. Je le détruis maintenant. Allez, commence à détruire leur système de transport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le système de transport, c'est qu'ils utilisent comme moyen de transport pour se déplacer et venir jusque là où tu dors. Commence à les détruire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis le système de transport de sorciers de ta famille. Détruis le système de transport de sorciers de ta belle famille. Allez, commence à les détruire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à les détruire, commence à les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je retire mes bénédictions dans chaque entrepôt de la sorcellerie, au nom de Jésus. Je retire mes bénédictions dans tous les entrepôts maléfiques, dans les entrepôts de la sorcellerie de ma famille. Je récupère mes bénédictions, je retire mes bénédictions, je retire mon mariage, je retire ma santé, que tout ce qui a été volé, enfermé dans les entrepôts, dans la prison de la sorcellerie de ma famille, de ma belle famille, soit retiré maintenant au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à retirer maintenant? J'attends quelqu'un qui dit avec moi, je récupère. Allez, commence à récupérer maintenant. Allez, commence à retirer maintenant tout ce qui a été volé dans ta vie, tout ce qui a été enfermé dans leurs entrepôts. Tu rentres dans ces entrepôts, tu ouvres et tu récupères ce qui t'appartient maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à retirer ta bénédiction. Allez, commence à récupérer tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, récupère maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Récupère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole de malédiction qui a été prononcée contre ta vie retourne à son expéditaire cette fois. Je retourne la malédiction cette fois à celui qui l'a expédié dans ma vie. Celui qui m'a expédié la malédiction, je prends ta malédiction et je te le rends cette fois. Récupère ta malédiction cette fois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La divination ne pourra rien contre Bolavie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève la malédiction et je le retourne à son expéditaire. Au nom de Jésus, reçois cette fois la malédiction que tu as jetée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit avec moi que toutes les alliances de la sorcellerie qui ont été contractées par ma famille soient
détruit maintenant, soit brisé maintenant, soit au nom de Jésus, soit dissous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a écouté ta prière. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci Seigneur pour ce bon moment que tu permets que nous puissions avoir ce matin. Merci pour ta parole, merci pour la révélation de ta parole et merci pour tes oreilles. Tu as été attentif à nos prières. Nous déclarons que cette journée est une bonne journée pour nous. Nous déclarons que cette journée est une journée de bénédiction. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a prié avec moi. Bénis, Seigneur, ton Église, la Divine Alliance, et bénis, Seigneur, nos vies. Je recommande ceux qui vont aller travailler aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Bénis leur travail, Seigneur. Mets de la compréhension et de l'attente dans leur milieu du travail, Seigneur. Les agents du diable qui cherchent à les déstabiliser, Seigneur, éloigne-les et écarte-les de ces. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je recommande tous ceux qui vont à l'école, tous ceux qui sont dans la préparation, tous ceux qui se préparent, tous ceux qui sont dans le préparatif des examens, je le confie entre tes mains, le Dieu de Daniel, toi qui fus capable de donner à Daniel cette fois de l'intelligence plus que ses amis, Seigneur, donne de l'intelligence à tes enfants, donne de l'intelligence à tes enfants, donne de l'intelligence à tes fils et à tes filles. Seigneur, sois avec tous ceux qui vont aller travailler, sois avec tous ceux qui restent à la maison, Seigneur, soit avec la femme ménagère, soit avec mon frère, soit avec ma sœur. Donne du travail à tous ceux qui sont dans le chômage. Nous te promettons de te donner toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. J'attends quelqu'un qui dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Ok, gloire à Dieu, voilà. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes abondamment bénis. Merci, Aya. Moi aussi, je suis béni. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Et voilà, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure à l'église pour les gens qui seront passés à l'église. Et sinon, demain, nous sommes là, donc précéder l'aurore le matin. Voilà, donc nous avons aussi notre culte l'après-midi, il ne faut pas oublier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Merci beaucoup et à demain. Merci et à très bientôt. Au revoir.